Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de l'archange Uriel aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 5 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Philosophie de ce matin, 5 juin, les idées originales. Se souvenir que les idées les plus originales, les plus farfelues, les plus controversées sont celles qui font avancer le monde. Eh bien, aujourd'hui, l'archange Uriel, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Bien, message. Eh bien, vous êtes beaucoup plus savant que vous le croyez. Et votre sagesse, n'est-ce pas, intérieure, vous a déjà apporté les réponses que vous cherchiez. Embrassez ce savoir et faites-lui confiance. Si vous êtes dans le doute, demandez à ce bel archange Uriel de vous donner des signes clairs pour confirmer vos pensées et vos idées, votre petite voix intérieure. Il peut aussi vous aider à mettre vos idées en application et à prendre des décisions quant aux prochaines étapes à franchir. Vous n'avez qu'à demander à ce bel archange Uriel. Ensuite, eh bien, soyez disposé à travailler avec lui en passant à l'action. Si vous avez des projets à mettre sur pied, demandez à ce bel archange de vous aider. Travailler avec l'archange Uriel, eh bien, Uriel contribue à illuminer les situations ombrageuses en éclairant votre chemin. Il nous éclaire aussi habituellement qu'un pas à la fois. Donc il ne va pas aller plus vite que le train. C'est pas à pas, un jour à la fois. Alors il se peut que vous n'arriviez pas à discerner clairement le résultat final de vos actions. Mais forcément, parce que Uriel, lui, il avance pas à pas. Un pas à la fois, un jour à la fois. Vous saurez toutefois quelle sera la prochaine étape à franchir. En cours de route, grâce, eh bien, à l'aide d'Uriel. C'est pas la peine d'aller plus vite que le train. L'impatience, c'est une distorsion. Donc il faut être très patient. Ce que vous devez mettre en place, si vous avez un projet, prenez le temps. Si vous n'avez pas tous les éléments pour le mettre sur pied, eh bien attendez d'avoir tous les éléments et peut-être vous tournez vers une personne qui pourrait vous aider dans le domaine d'un projet, n'est-ce pas? Voilà le message de ce bel archange Uriel, et je termine avec l'oracle des amoureux. Romance, la flèche de Cupido vise ton cœur. Et bien pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait une rencontre. Et si c'est le cas, eh bien, votre petit cœur, il va beaucoup aimer. Si maintenant ce n'est pas le cas, il y a probablement, prochainement, eh bien, une personne sur votre chemin, vous allez faire une rencontre et votre petit cœur, eh bien, va être émoustillé. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Beau message de l'oracle des amoureux pour terminer
Eh bien, cette journée, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.